Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. À dossier manifestation, on a démarré journal là pour jeudi vendredi 12 mars 2021. On a vu plusieurs dizaines de manifestants qui étaient campés devant l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti hier jeudi 11 mars 2021 pour réclamer le départ président républicain Jovenel Moïse au pouvoir. Photo madame Hélène Lalim, représentante spéciale secrétaire générale Nations Unies, qui dans BINU, bureau intégré Nations Unies, cap conseiller président république dans politiquement ensemble avec ambassadrice pays les États-Unis madame Sisson, t'es non mais plusieurs dizaines manifestants qui t'al campé devant ambassade américaine dans pays d'Haïti. Nous jour c'est sa fête hier jeudi 11 mars 2021. Je t'ai réclamé des pas président république là Jovenel Moïse pouvoir. Manifestants ont déclaré ni madame Lalim qui dans BINU ni madame Sisson qui est ambassadrice pays les États-Unis persona non grata sur territoire national. Pour ces statuts a demandé président américain Joe Biden pour prendre une position ferme et solide sur tout ce qui a passé dans le pays. Nous avons vu ton côté quelques manifestants qui étaient devant l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti dans le tabac. Nous dénoncer support que l'ambassade américaine a pas ensemble avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, que nous-mêmes nous ne pouvons pas reconnaître depuis 7 février 2021. Jovenel Moïse, communauté nationale là, dit à supporter pour faire élection. Pendant que nous-mêmes, nous connaissons que Jovenel Moïse n'est pas inspiré nous confiance. Jovenel Moïse, son président, fait tout appel pour contre lui. Je dis à l'ambassade américaine, nous venons dire pour ça. Même gens, et ils ont tout Charles-Marie Péral, même gens, ils ont tout encore l'autre leader, qui est dans la colonie, qui est dans l'esclavage. Je dis à nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire pour nous mourir, pour tout ça, que papa de Saline Badou. Mais c'est clair la position, lui dit que, il n'y a pas de dictature. Et nous, les pays amis à Haïti, c'est plus une position claire, pour nous, il n'y a pas de dictature. Et nous-mêmes, nous disons clairement que, nous n'y a pas de dictature. Et pays, c'est grand, nous tête lui. Et nous, clair, avec certaines cadres, c'est pour deux, position respectée. Pratique, certaines cadres, c'est pour trois de la position pour respecter. Manifestation, ça, c'est vers les national lié. Tout le monde net, c'est bon. Pas les nationales, pour les parce que nous-mêmes, nous disons, 29 mars, c'est dernier coup de l'eau qui prenait Sébastien. Parce que pas que pour y monter, pour y descendre, faut que nous déchouquions Jovenel Moïse, mandat Jovenel Moïse fini. Nous disons, je dis à kidnapping ça. Comment faire pour comprendre ces machines, service de l'État, ces machines officielles qui ont fait kidnapping, des CPJ, les grands, l'arrêter machine, pour que Jamba y ouvrent. Ou t'as coûté quelques manifestants qui t'es monté piquetio, qui t'as campé de monter tantio, devant ambassade des pays les États-Unis, dans Tabar, dans Port-au-Prince, dans la capitale pays, côté que t'as pas de départ président république, là, et puis ont déclaré, ni madame Lalim, qui c'est représentant secrétaire général des Nations Unies, qui est responsable BINU, qui c'est bureau intégré des Nations Unies dans le pays d'Haïti, persona non grata, ces mêmes décisions, ils prennent tout, contre ambassadrice américain, qui dans le pays d'Haïti, madame Sisson, manifestant, ont déclaré, persona non grata. L'autre dossier de ces mobilisations, il y a divers citoyens dans la commune Saint-Marc qui organisent un mouvement levé campé devant le bureau APN dans Saint-Marc pour dénoncer le premier ministre haïtien Joseph Jout qui prend décision gros poignet d'après eux-mêmes pour plonger Maléria Maléraz dans plus misère, l'aile empêcher conteneur débarquer sur Port Saint-Marc là. Citoyens menacés pour passer dans l'autre phase semaine qu'a vu là si toutes les fois autorité pas corriger cahier devant conteneur ça refusé qui pour débarquer dans port provincial à l'exception cap haïtien. Miss Madeus, c'est collaborateur nous là-bas nous reportage. Débarquer broqué à quelques machin qui considère comme victime en bas disposition premier ministre Jules Joseph Franc pour faire tout conteneur à dédouaner dans Port-au-Prince ou bien cap haïtien. Citoyen ça vous fait connaître dans moment nèg exam a kidnappé fait ça ouvler les ouvler pour mon demander yo pour rentrer dans capitale là pour dédouaner conteneur. Pendant yo poser question, est-ce que l'autorité a un grand plan pour mon Tibonite? Coup ça pas passé selon ça ou dit. Nous même tu vas chez la liste des bandes à
inacceptable. Parce que les bagages conteneurs rentrés, nous-mêmes, nous n'avons pas de factory qui fait rad, nous sommes victimes des rad. Si machin, 80 à 90% du peuple dans le chômage, c'est deux petits machins qui ont appelé des peuples là. C'est deux diaspora qui ont appelé des peuples là. Citoyen Sayo ajoute pour dire, il y a déjà chita à plusieurs autres entités dans la région hein, pour forcer les autorités qui pas dans l'intérêt de la population hein, tourner sous décision. Yo. Sinon, il y a plein de campé dans le jour qui vient. Merci, Madeus. Nous avons toujours été dans le dossier manifestation, mobilisation pour nos actions opposition politique là. Parwell Patandel, de départ président de la République de Jovenel Moïse, il a organisé manifestation, sitting toute qualité. Fois ça, il a annoncé un conseil klaxon avec un conseil casserole pour journée lundi 15 mars, mardi 16 avec vendredi 19 mars, qui vient là à partir de midi pour dire non à insécurité, kidnapping et puis pour dire qu'il n'y a pas d'accord avec dictature qui prend pied en dans le pays d'Haïti. Majoré Michel, c'est un porte-parole d'IOPOD qui s'est direct opposition politique dans le pays d'Haïti. Nous continuons à encourager tout groupe, tout secteur qui voulait continuer à mobiliser, qui a continué à mobiliser d'une façon ou d'une autre. La société civile, les syndicalistes, les organisations de base, organisations femmes, organisations jeunes, universitaires, toute couche de la société, dans une façon ou une autre, y a montré. Yo chaque organisé, nous, ouais, société a commencé à y réveiller parce que c'est toute couche qui victime. Non question kidnapping, non, pas gain exception. Malheureuse victime, grand femme victime. Gagné des groupes qui a réfléchi sous différentes formes de mobilisation parce que assez souvent, moun yo confond mobilisation avec manifestation. Mobilisation, pas vle dit manifestation de rue seulement. Mobilisation gain différents aspects là-dedans que moun ou groupe ou capable de faire. C'est comme ça. Par exemple, demain 11 à 12, il y a des groupes qui a organisé, équipe changement s'est organisé, étudiants, cité soleil a organisé pour faire des voyous comme rejet à ça que nous avons là comme pratique. Dans Diopod, nous venons annoncer nous jeudi. Mettez ensemble avec tout l'autre groupe dans la société civile et autres qui a déterminé qui forme de mobilisation que nous avons jusqu'à ce que nous jouons bout à ça qui là. C'est comme ça nous avons annoncé nous. Yon bat ténèbre là, c'est une force que nous avons cherché. Expression de rejet que lié, c'est un mode de forme de contestation que lié pour nous camper, pour nous dire non, nous pas capable encore. Dire pas avec toute notre organisation syndicaliste, groupe de société civile, a demandé population, a invité population encore pour nous entrer dans bas ténèbres à partir de midi, jour lundi 4 15, mardi 16, vendredi 19 mars qui a venu là, n'a pas entré dans concert klaxon avec bas ténèbres. Concert klaxon non, c'est pas à courir ou à klaxonner, faut camper pour prendre 10 minutes là pour klaxonner machine ou pour dire non. 10 minutes là, pas coûter nous en pile. Par contre, si nous quittons faire la dernière sous nous, la coûter nous toute vie nous. N'a pas demandé population en général, chauffeur moto en particulier, petit machin. Tout le monde que ça concerne, toute population en général, pour nous entraîner, on te met son mot sur casserole, on te met son grain assiette, on cuillère, joint, chauffeur moto a klaxonné, on met son tol, on poteau, tout son joint, on avance dans le concert klaxon ça pour 3 jours qui a venu là, qui c'est lundi 15, mardi 16 et vendredi 19 mars 2021. On a écouté Majorie Michel, qui a annoncé concert klaxon ça, que opposition politique là, lancée pour lundi 15 mars, mardi 16, avec vendredi 19 mars, cabina, toujours dans l'objectif pour demander départ président de la République, Jovenel Moïse, et pour crier contre kidnapping avec insécurité qui a fait au marché, on bras devant, yon bras derrière dans le pays d'Haïti. Dossier justice, M. André Michel, avec M. Marc-Antoine Maisonneuve, deux avocats qui ont fait appel, décision, tribunal première instance, quoi des bouquets, leur terrain de décision en faveur juge Ezekiel Dabrésil, leur délibéré, alors que l'idée qui était tout reste monde qui était arrêté dans la justice, prouvé 7 février, il était abcané dans la prison. Avocat Sayo, M. André Michel, avec M. Marc-Antoine Maisonneuve, dit eux-mêmes, yo confiant quant à libération, l'autre monde qui était jeune arrestation, yo, j'en dans la justice, pour l'ouvrir 7 février passé, dans le complexe Tibois, dans la commune Tabar, dans
accusation de porté sous dos comme monde qui t'a préparé coup d'état contre président République là et puis qui t'a fait un tentative assassinat sous président République là Jovenel Moïse. Information fait quoi que monde ça t'a dormi dans cabane là que unité USGPN qui là pour garantir sécurité palais national avec caï président République là, c'est eux-mêmes qui t'a débarqué dans la cour pendant la nuit pour arrêter monde ça 6 à 7 février 2021 et mettre accusation sous dos comme monde qui a fait coup d'état contre président République là Jovenel Moïse. Maître André Michel avec maître Marc-Antoine Maisonneuve a apporté précision. La cour a accordé au conseil de la défense des requérants un délai de 24 heures pour déposer ses pièces. C'est-à-dire que demain au plus tard, au conseil de la défense, nous allons devoir faire le dépôt de nos pièces. Ces pièces, une fois déposées, seront transmises au greffe du parquet pour être communiqué au ministère public qui prendra ses conclusions écrites d'après l'avant-dire droit de la cour. Maintenant, il n'est que d'attendre. Nous attendons la décision finale de la cour d'appel. Nous gardons confiance, nous gardons espoir puisque nous avons établi de façon claire et nette pour la cour que les requérants ont été arrêtés arbitrairement et ils sont encore détenus en dehors de la loi et nous espérons que cette fois-ci, la justice va triompher. Mais c'est la règle, c'est la règle. C'est le principe du contradictoire qui domine la distribution de la justice. Nous sommes des avocats de la défense. Nous avons fait appel d'une ordonnance du premier juge. Nous avons développé nos moyens, que ce soit dans nos actes d'instance, que ce soit à l'oral. Maintenant, c'est tout à fait normal que le ministère public prenne le contre-pied. C'est la règle. On n'était pas en situation de flagrance dans la nuit du 6 au 7 février 2021. Côté monsieur Baye menti encore. Monsieur dit qu'on ça que nous parler de la non-constitution des infractions. C'est pas vrai. Nous connaissons le droit. Dans différentes interventions, nous pas parler de la question de constitution des infractions. Nous avons abordé le caractère de l'arrestation. Nous avons montré que ces citoyens et citoyennes ont été arrêtés en dehors de ce qu'a dit la Constitution. Nous avons montré que ces citoyens ont été arrêtés en dehors de ce qu'a dit la Convention, très bien, que Haïti a ratifié. C'est menti le bail. Bon, comme nous estimons que la composition a bien compris la quintessence de nos interventions. Dès que nous avons observé, nous avons well. C'est ça que fait tout. Côté commissaire du gouvernement, nous avons imposé pour l'abdi, mais ça pour qu'on l'a fait. Qu'on l'a dit non, c'est nous qui avons la police de l'audience. Et bien, on a écarté ce comportement arrogant, monsieur. Bamdou, conformément à ce qu'a dit et la composition, nous pourrons communiquer pièce dossier, l'ondelle ne dépassant pas 24 dents et l'engreffe paquet près la cour d'appel du Port-au-Prince. Et puis rapidement, il y a prendre arrêt ordonnance. Non? Aux abcoutés de l'avocat qui fait appel de décision tribunal première instance quoi des bouquets, donc je dis aurait été confiant sous appel yo fait pour que capable une libération reste monde qui était dans prison yo parmi yo inspectrice police nationale madame Gauthier avec toute reste prominé qui toujours a cani dans prison. Ça fait plus passer un mois pour accusation comme monde qui t'a fait tentative assassinat et puis avec coup d'état contre président République là Jovenel Moïse. L'autre monde qui était dans prison encore c'est juge cour cassation maître Evikel d'Abrésil, lui-même qui était jeune arrestation depuis le mois février passé. Nous parlons d'un dossier arrestation. Bonjour, porte-parole la police nationale pays d'Haïti, Gary Desrosiers confirmé que la police Kembe Yonison patrouille couleur blanc et puis l'arrêter plusieurs monde qui était en dans machine ça dans zone avenue Muller dans Port-au-Prince dans Carrefour particulièrement machine ça qui c'est propriété c'est la République là sorti dans bloc Grand Avenue. T'es gon l'autre machine tout qui était ensemble avec machine ça ni son patrouille là il échappé pour lui avec monde qui était là-dedans yo. N'a signalé tout parmi monde la police qui veut arrêter un chauffeur machine qui c'est un chauffeur employé Sénat République pays d'Haïti. Gary Desrosiers porte-parole police nationale apporter plus précision sur question arrestation ou encore machine Nissan Patrol ça qui arrivé saisi dans zone Carrefour Feuille. Et nous avons gagné une information, mais nous allons tous sur deux véhicules qui sont sortis en direction du Mar dans zone Gravine, côté que c'est un pick-up de couleur noire, également avec une zone patrouille de couleur blanche. Et nous plaçons ces SP aussi, 047, qui c'est propriété et c'est national toute information que nous avons.
citoyen et nous-mêmes arrêté un employé parmi cette Mounzaïo qui est dans le Sénat. Et hier, c'est dans la zone Avenue Miller que arrivé CCP véhicule et puis d'arrestation et tout pour une gabole. Alors, tout hier soir, SDPJ, ça fait audition, ça fait enquête préliminaire et dans le numérique ou bien dans un cabinet, il y aura au niveau de la DCPJ pour approfondir l'enquête là. Mais c'est ce qui a été interpellé, mais c'est bien plus à bol. Et lorsqu'on a tout, c'est vide, on bat pas pratiquement. Et qu'on machine ça. Et ça, qui nous gagne comme élément de compte. Et non, l'objet, lui-même, il a échappé. Et on parle du coplan. Mais c'est ça qui l'a arrivé et intercepté. Mais, je nous dis, on ne va pas camper. On n'a pas qu'à élaborer plus parce que, et sont critères qui, eux-mêmes, captent plus. Au top côté, Gary Desrosiers, qui c'est porte-parole police nationale, là, plus loin, il a annoncé que plusieurs unités de police, là, étaient présentes mercredi passé à Nakasse village de Dieu, pour être capable de continuer avec ces opérations, la police a mené dans toute zone qui choyo pour capable faire la paix ou retourner dans le pays. N'a côté, Gary Desrosiers, pour une fois. Pas simplement dans les parages de qui va à un village, même également tout, et nous vivons tout dans plusieurs quartiers qui ont un village là. Je me dis, l'objectif d'opération, c'est d'abord, pas mettre tout ce qui est bandit à l'aise qui a empêché la population paisible capable dans le village là. Et nous connaissons que depuis rien des mois, même des années, côté que y a un côté bandit qui prend des populations, des citoyens paisibles et qui nous ont mis en otage. Même la police nationale a été indifférente, et c'est certain que. Dans le mode opératoire, nous, il y a plusieurs considérations que nous faisons. Parce que le mode opératoire, nous, pas même le mode opératoire avec Bantillon, et pas identifié le cours. Ou après, le plus souvent, que les gens sont dans des villages, sous grand accent, ils sont un peu partout, qui sont victimes, et la police même pas qu'à gagner un comportement pareil. Mais nous-mêmes, faut que nous tenions compte de la simonie, faut que nous fassions tout ça capable pour nous empêcher des dégâts, également des dommages au niveau physique. C'est une raison que nous-mêmes, au niveau opératoire, nous faisons ensemble des considérations. Mais nous déterminons. Et nous mobiliser encore une fois que nous sommes capables de loger, capables d'arriver, d'épingler, conduire devant la justice, parce que la vie, les mêmes pour nous-mêmes, au centre de l'opération que nous lancé au niveau village. Nous encore dans l'opération, et j'en suis tout à l'heure à son ascenseur, le temps que nous faisons parler de la police, et avec la population, hein, nous pensons que. Et à n'importe quel moment, c'est certain qu'il n'a pas arrivé, et ensemble avec la population, on déloge ensemble des bandits, et qui empêchent de vaquer en activité, parce que l'objectif, nous, c'est pour la paix, et tourner dans un temps. Pas qu'à doux de mémoire, mais il fait plusieurs interventions, comme pas qu'à bon liste de programmation et d'opération de la PNE, nous, encore une fois, pas de célébrer. Vous avez écouté votre parole police nationale, la Gary Desrosiers, qui t'a annoncé opération que la police mène dans le quartier village de Dieu, côté que un ken bilan pour qu'on sorti réellement, mais, n'a signalé pour vous, que équipe gang ISO 5 secondes là, qui t'a célébré 3 ans anniversaire, dans la zone, t'a demandé, compagnie électricité d'Haïti pour bailler au courant, et deuxièmement, pour bailler l'argent, pour capable de célébrer anniversaire gang ça, qui a 3 ans depuis la ferraille, dans le pays d'Haïti. Et là, ça, y'a pas de jeune l'agent ça, bon côté, compagnie électricité d'Haïti, y'a débarqué sous bicentenaire, devant local EDH là, c'est ça, y'a oublié, y'a pas fait, y'a tiré un pile coup d'âme, jusqu'à ce que t'aies gagné un monde qui mourit, et gagné trois les autres qui t'aient blessé, parmi eux, y'ont employé électricité d'Haïti. Donc, situation ça, t'aies créé gros tension, gros panique, dans la zone, mardi 9 mars, qui saute passé là, au son jour, t'es dans des informations ça, sur antenne Radio Pyramide. Nous, avons allé dans le dossier sécurité, hein, pour nous responsables, mesdames, droits mondiaux, dans le département de la Tibonite, là, maître Michel Dorgil, lancé un cri d'alarme, by autorité, yo, pour prendre responsabilité, yo, pour pas quitter aucun gang formé dans la localité Troussab, dans Gonaïve. Maître Michel Dorgil déclaré, bandit ça, yo, qui gagne un gros âme dans mes, yo, pillé, cassé caille, avec business, citoyen paisible, qui vivent dans la zone Troussab, en pile, dans le monde, ça, yo, tout obligé, abandonner caillou, à jouer l'autre côté. Maître Michel Dorgil dit, il parlait avec victime, yo, qui paie en pile, parce que yo paie de dénoncer ce qui a passé, ya, pour bandit, yo, pas tourner, vine attaquer, yo, ou bien tout les familles, yo, dans la localité Troussab, qui, dans la ville Gonaïve. Maître Michel Dorgil. Tout ça, on ne peut plus bien avant de arriver dans le niveau ça arrive là. Mais d'ailleurs, je m'étais fait qu'on est que tout ça pour aller tout le monde au soleil. Et l'autre paraît tout ça après confédération, après tout ça pile là parce que des chaos, tout ça pile là parce que raboto, tout ça pile là parce que cas soleil. Et l'autre paraît tout ça, mon cher, là on est by face et son zone grand mot. Oui, n'importe ça n'est pas fait. Là, il est stèle des unes. Il y a une possibilité qu'on y a, son zone qui est enclavée, pour ne pas se soucier d'une zone de chaos, dans le petit jardin, pour l'atterrir tout ça, dans le clin d'œil.
il y a une possibilité pour ce nègre à sauter les systèmes par exemple anti-déjeune pour la école rapide là, tout ça. Parce que tout ça, lui-même, c'est non plein de nourrir. Son savant, non plus. Ouais, question vol et cas de Jacques. Question kidnapping, qu'a fait. Ouais, tout ça, champion. Mais malheureusement, pas gagné pièce stratégie en matière de sécurité pour autorité locale de Rachida Souli avec des notables de la ville pour être une solution à tout ça. Le problème de ça, c'est qu'il résoudre. Malheureusement, comment on a vu le gagné en commission du gouvernement qui manque de maîtriser la technicité problème. Mais les habitants tout ça, vous parlez de formation en gang, dans Gonaïve, et qui prennent essence dans tout ça. Nous, au courant ça comme organisation qui a défendu le droit? Oui, ça m'a dit. Les commissaires gouvernement dit comme ça. Si bako police li même li gato le relé li pa prouvé sou atan c'est on information ba bandi a de vulnérabilité la police sur le plan logistique automatiquement bandi a ka konnen le temps son seul bako ki gen le temps bako la gato yo relé pou tout ça la prend pou rive y a opéré yo même mais dans intervalle pour machine ki t'arrive y a opéré konnen l'argent tout ça bi a li même et bien comme ce gouvernement avec directeur de départemental de police avec vice délégué à délégation de délégué départemental également et toute autorité locale qui sont placés là, ils étaient doués, mettons pression sur tout ça, même sous forme, font gens maquillons, mettons sous commissariat tout ça. Formation gang dans tout ça, qui est fait ça par sous Gonaïf? Ça prend Gonaïf, ça prend Gonaïf en otage. Les négociations sont bien, ils sont bien équipés. Ok? Nous avons des chances pour le déploiement. Nous avons des gens qui ont côté corps à déployer. Les déployés à projeter, ils ont des masses, ils ont des gros enfants de foyer, ils ont des machines, ils ont des motocyclettes. Oui? L'autre jour là, pas trop, ça va gagner trop longtemps. Quand il y a les 40 citoyens dans la zone Bigo, Piro Bigo, mais les gros débats, ils ont fait près de 2 heures de temps pour pire nos cailles. Jusqu'à ce que la police vienne. La police vienne juste après 2 heures de temps. C'est comme si la chance, ils marchaient à massue, à tirer. Heureusement, citoyens, ça, quand ils étaient bien organisés, ils mettaient un paquet de fait double, qui permet que les gros crasent, les gros gagnent accès à l'autre dedans, les gros bougent boulons, motocyclettes, sous la croix. Oui? Eh bien, il faut que nous comprenions. Degré de fragilité, bagarre la cognac. Puisque les gens sont armés, eh bien, la police ne va pas faire face avec eux. Ils ont des gens, ils ont déployé, ils ont pas été dans la zone, ils ont occupé net, ils ont chaque position de leur côté. Ok, d'abord, ça entend nous, ben nous, on attaque, ils ont fait un côté. On voit, la nuit, ils ont à l'aise, ils ont fait ça, ouvre, même dans la journée, ils ont dit, moi, ils ont kidnappé la zone de KO à 7h du soir. 7h du soir. Je me demande pas par un paquet de l'argent. Mais si on y a gagné autorité qui est sensible, j'aime bien la débat là, je mette un frein la donne. Mais il est possible, il est facile, parce que vous paquet de qui est dans la prison, qui la donne, vous paquet de qui est prêt pour servir antenne. Si vous cherchez information, laissez ça. Si vous préparez une intervention, à 80% de l'information, eh bien 20%, 15%, il est facile pour vous capable de un résultat. Nous rencontrons un monde qui est victime déjà dans tout ça, et Meda. Ça qui est belle là, les gens victimes, les bonnes informations. Et puis les autres, il ne faut pas le mener, il ne faut pas le plus victime encore. Puisque on kidnappe à peine fait, mon avis une bonne information. On dépôt à peine cassé, mon bonne information. Dans l'heure de fête là, dans le jour de fête là, bandi volé, on connaît qui l'a défait. L'Europe a une information, même genre, il est possible qu'on ait bien fait pression sur mon ça encore. On ne doit pas être victime en deuxième fois encore. Il est obligé de victime, il est résilié, parce que par un côté, il peut être plainte. C'est dans ça nous prenons là. Ou t'as coûté responsable, mais d'adoua mouna, mais Michel Dangile, qui a parlé sous question de sécurité, en particulièrement son gang, qui formé dans la localité Troussab, qui a simé la terre, la journée qu'on la nuit, dans la zone, non, côté moun, y'a pas qu'à dormir, y'a cassé caille, y'a pillé business, y'a violé moun, y'a même pas kidnappé, d'après information qui sortit dans la zone Troussab, là. N'a pas signalé pour vous, ni commissaire gouvernement juridiction Gonaïve, là, mais c'est la Gazius, en déclaration, t'es fait sur Radio Pyramide, même j'ai un tour avec directeur départemental police, là, monsieur Jacques Adair, yo annoncé y a pas mené opération dans zone nan, mais juste qu'il est-ce que moun nan zone pas gen tan fin dépéri parce que ça fait plus passer une semaine depuis on fait déclaration ça sous antenne Radio Pyramide. N'a fini première page journal là avec dossier kidnapping pour Emmanuel Jean-Baptiste, il veut joindre libération ni mercredi passé à en bas Miravichel yo. C'est papa victime là Jean-Marc à Condestin qui dit même tout, il était kidnappé, t'es porté rançon en bail gang Gravine là que t'il a pris à diriger d'après porte-parole association nationale propriétaire essentiel Marc-Antoine Nézir lui-même qui t'a porté précision sur libération Emmanuel Jean-Baptiste que nous invitons à écouter. Yo, libéré, monsieur, vers les heures du matin. Ravisseur prend rançon. Je prends rançon, on a même papa et Jean-Baptiste Condestin qui fait Jean-Baptiste Condestin. Bon, pourquoi j'ai une situation fragile là? Personne n'a pas mis en mise en mise pour déposer rançon à lui.
c'était Jean-Marc Condessin personnellement qui retournait Grand Ravine, il a fait quitter machine en route, il a fait continuer à pied, il a escorté lourdement, mais c'était, et il est passé parmi mon machine patrouille, la police, monsieur Ravisseur est passé escorté, il a pied, avec valise en main, il a escorté Cobla à Grand Ravine. Donc, il a fini par Cobla, il a well, et puis il a libéré, il a monsieur Jean-Baptiste Condessin petit lit, il descend avec. Moi, pas qu'à révéler lui parce que Ravisseur fait monsieur menace, c'est lui dit, nombre de rançon en radio, il a dévoilé par la presse, il a bien tiré là avec toute famille là, dans la façon de son frère, des dégâts. Donc, n'a permettre que pour me gérer vie famille pas, nous pas qu'à dévoiler mon temps rançon. C'est Grand Ravine, c'est Basti Lavli qui prend comme là, mais Jean-Baptiste Condessin théorisé, on connaît psychologiquement, moral pas bon, mais physiquement, il n'y a pas Basti, il n'y a pas tiré le coup sur lui, il y a été marré lui. Fait lui des joies, il y a marré deux bras au bas derrière, il y a marré deux pions. Donc, il t'a fait mon là comme ça. Deux messieurs, il y en a chef qui vient par la robe. Donc, il va le manger une fois par jour. C'est toujours le même mauvais traitement. Il n'est pas bien, il n'est pas fait brossage des dents. Donc, il a libéré lui aujourd'hui. Donc, il fait et tout. Il faut dire, on va aller. C'est même des gens qui ont été, ils ont été le cas dans le service là, mais qu'on a parlé. Ils ont dit, si on peut aller, il y a qu'un BO. Donc, ça va oublier les liens. Il est arrivé dans la route, il passe même qu'à fin de marché. Monsieur vient rencontrer la route. Je viens chercher Cobla, dans le garage de ses papa, Jean-Marc Condessin qui t'a payé. C'est lui encore qui a porté Cobla, les barrières. La police passe en rien. Moi, je dis ça encore. Je précise que la porte Cobla, les ravisseurs avec gros âmes lourdes, ils ont passé beaucoup de machines partout qui l'ont proposé dans un gravine. Ils ont passé pour lui faire comme si on parlait au BCP. Ils ont escorté Jean-Marc Condessin jusqu'à l'air. Ils sont arrivés dans la route, ils nous connaissent aujourd'hui. Ils sont des cardiaques, ils ont porté le bien. Donc, il est soufflé, il n'y a pas qu'à marcher encore, et puis il bon, sonne là, il fait coup de fil, et puis chef Lavigne Venni, et puis il prend Cobla, et puis il mène Jean-Baptiste Bali, et puis il descend. Nous-mêmes, comme citoyens, nous comprenons que l'État défaillant, l'État abandonné nous. D'ailleurs, des villes étaient kidnappées, Jean-Marc Condessin, pas de jamais personne, pas de prise en charge qui fait. Très bientôt, nous avons repris la preuve. Cette fois-ci, nous avons communiqué avec d'autres associations de la société civile là. Nous avons déploré ça dernièrement, qui contraste, qui chauffeur trailer et qui a porté gaz qui fait plein de balles. Nous avons pour nous une réponse appropriée pour nous dénoncer ça. Dans la commune Anse-Rouge, côté Mounio en difficulté, d'après le président conseil, agent exécutif intérimaire, mairie commune Anse-Rouge. Dadi Alexis, mandé responsable dans le ministère de l'Agriculture pour venir sauver paysans plantaires, côté Tibetio, a fin mourir. Magistrat intérimaire, fait qu'on est paysans plantaires, ça y est, là, il y a deux bras balancés, en qu'un monde pas voué, j'ai gardé. Nous avons plutôt écouté Dadi Alexis, dans le micro, Alain Etienne. Dans la commune en Rouge, pour nous garder question ça, qui c'est question bête qui a mouru dans la commune. La population, il y a des gens qui viennent parler avec nous déjà, ils ont nous sur ça. Et nous avons suivi nous connaissons que il y a des problèmes vaccin et c'est ça qui fait bête qui mourir. Ben, nous dit que nous avons pile bête qui a mouru. Nous parler de bête, nous avons un cabrit, nous avons un poule, nous avons un cochon, bœuf, tout bête ça. Et nous avons même dit qu'il n'y a mouru pas bonne et pas paquette. Ça veut dire, moi, t'as souhaité que, dans le cadre de protection, pour nous garder qui ça nous a fait avec, pour bête, pour permettre que, paysans, yo, parce que bête, même, c'est yo qui, bon, dit, c'est, dans ce moment-là, bête, c'est grenier paysan, yo, c'est avec, yo, c'est yo servi pour vendre, pour payer l'école, c'est lui, yo, vendre pour à l'hôpital, pour même, l'encalement. Ça veut dire, moi, pense que ça, si nous t'as qu'à faire un bagage pour garder qui ça nous a fait pour bête, pour pas continuer à mourir, bon, c'est ça qui est intéressant. Moi-même, ça préoccupe en tant que magistrat commune. Non? Bon, c'est ça, c'est préoccupation pam, parce que les mounirelem, ça vraiment fait mal pour moi qui j'en mon bête, c'est avec lui servi et pour qui j'en y a tombé mourir. Bon, parce que je dis, ah, c'est raison qui fait, nous t'ai décidé de faire parler ça pour nous voir nous plus haut, pour autant de nous, parce que le président, comme toujours, le gros coup de chapeau pour lui, qui lui-même, ben, dit qui toujours aider nous, qui garde les communes, ben, dit dans la question de l'eau surtout, et nous avons des pompes solaires, qui eux-mêmes, ils font commune en cadeau déjà, et même a dit que, il y a des problèmes, et système n'est pas hybride, ça rend que, le pas de soleil, nous n'avons pas qu'à arroser. Nous comprenons volonté, et président, qui lui-même, dans la promesse, il a fait atterrissage là, mais nous avons souhaité que, vous voulez regarder, et paysans, vous voulez regarder nous, parce que nous avons une campagne qui à peine commencé là, nous avons besoin d'arroser, après là, il y a plusieurs jours là, soleil là, il n'y a pas paraître même, nous n'avons là, il n'y a pas qu'à arroser, et ça fait, nous demander si l'agriculture qu'a fait un bagage, regardez qui ça a fait pour nous, et pour que au moins, nous n'avons pas
perdu campagne ça qui c'est on a dit une très belle campagne pour pas perdre pour question à usage là activité il y a d'un jour on se dit là là ou après soleil là il y a plusieurs jours là il pas sorti il pas comme s'il y a un bagnage égal ou maîtriser là ou avoir toute pompe pas grand pompe qui gagne de l'eau là ben pas de l'eau qui a sorti ça veut dire pas grand monde qui a arrosé immédiatement soleil là là il retourne après toute plante fini ça veut dire pas gagner possibilité c'est ça que fait moi même en tant que magistrat moi t'a souhaité que mon yo et m'a dit que plus haut niveau là dans même volonté que président gagne que nous elle gagne il manifeste toujours avec nous et n'a dit que c'est un gros bagage que le président lui même en personne de déplacer à l'installer pour que ça soit pour nous ça veut dire son gros causé nous appelons ça bon dit que ça son bagage que nous te nous pas un mot pour nous dire merci mais n'a demandé pour que au moins si système hybride il qu'a utilisé ni moteur yo ni pompe solaire là égal ça il peut aider paysans pour que yo capable d'indiquer et ça va permettre que au moins agriculture la prendre à l'eau dans commune et nous connaît que surtout en Souge mon vivre de agriculture de celle là c'est plus de ça que mon vivre au t'a coûté d'Adi Alexis qui c'est président de commission exécutive intérimaire en Souge là qui a plein son situation mon yo très difficile dans commune Souge et bête yo a mourir semble à cause de l'eau que yo pas arrivé joine dans zone n'a tourné dans dossier politique là pour l'opposition démocratique là et secteur central police judiciaire pour dénoncer comportement li face à ka kidnapping qui a multiplié chaque jour en dans pays suivre yon lecti président parti fusion madame Edmond Suplice Mozil pour le faire pour nous en côté Monsieur Frédéric Lecomte, directeur central police judiciaire. La direction politique de l'opposition démocratique regroupant les partis et regroupement de partis politiques tant qu'on veille yo, Vérité, secteur démocratique et populaire, Unité, OPL, Fusion, Mokrena, Uniforce, AAA, se fait le devoir de porter à votre attention les points ci-dessous. Le dimanche 28 février 2021, le docteur Ernst Paddy, un citoyen à mobilité réduite, médecin de formation spécialisé en pédiatrie, a été froidement abattu à proximité de sa clinique dans l'exercice de ses fonctions. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre clairement les visages des malfrats opérant en toute quiétude. Le 1er mars 2021, Magali Habite, à l'émission de Grande Écoute, Panel Magique, a déclaré qu'elle a rendu service au pays en allant chercher les deux ressortissants dominicains et leur interprète haïtien, Junior Albert Augustma, kidnappé le samedi 20 février 2021, puis libéré le 26 février 2021. La Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion CNDDR, chargée des négociations avec les ravisseurs, lui a demandé de les conduire à la DCPJ, ce qu'elle s'est empressée de faire parce qu'appartenant à un régime. Le 3 mars, l'électricité d'Haïti accuse réception de la lettre d'ISO et de Mano adressée au sieur Michel Présumé, directeur général. Les deux chefs de gang sollicitent de l'institution une aide financière à l'occasion de leurs 3 ans d'existence et de résistance en date du 7 et 8 mars 2021 et le courant électrique durant la période des festivités. Le vendredi 5 mars 2021, l'homme d'affaires Jean-Marc Condestin arrache sa liberté contre-rançon après avoir été séquestré pendant une semaine, alors que son fils Jean-Baptiste Condestin, chargé de remettre le montant négocié, a été retenu par les mêmes ravisseurs. Le vendredi 5 mars 2021, un bus transportant des passagers vers Carrefour a été conduit à Grand Ravine, quartier général des kidnappeurs. Monsieur le directeur, la Diopol fait état de ce tableau lugubre, bien réducteur. Depuis tantôt 2 ans, la société haïtienne vit avec inquiétude l'augmentation des cas d'enlèvement contre rançon et assassinat. En effet, pas un jour ne passe sans son lot de kidnapping et ce, en tous les coins du territoire national. Il y a là, monsieur le directeur, un danger public exceptionnel qui menace l'existence de la nation haïtienne. Les assassins, les kidnappeurs, les bandits sont partout présents sur le territoire. Ils circulent à visière levée, tyrannisent les haïtiens et les haïtiennes, font la loi. La Diopol
dès qu'il sera techniquement possible, portera plainte par devant les tribunaux et cours nationaux et internationaux jusqu'à ce que les violateurs de droits soient jugés et punis conformément à la loi. Voici notre réquisition, monsieur le directeur. La Diopode se fait le porte-parole de toutes les familles haïtiennes brutalisées et décapitalisées, endeuillées, traumatisées, de toutes les femmes violées, de tous les enfants privés de leurs parents froidement exécutés. Elle vous demande de vous débarrasser des contraintes extérieures qui entravent l'exercice de votre mission telle que définie par la loi et livrer une bataille sans merci aux bandits qui empoisonnent la vie en espérant que la présente vous portera à vous rappeler en toute circonstance la mission de la DCPJ et votre responsabilité en tant que directeur. La Diopode vous prie, monsieur le directeur, de recevoir ces salutations distinguées. Ou d'un côté, responsable parti fusion, madame Edmond Supplice Bozil, non lettre que vous voyez, direction centrale police judiciaire, côté que yo dénoncé comportement DCPJ dans cas kidnapping yo qui a multiplié chaque jour en dans pays d'Haïti. Dans le dossier justice, association magistrat yo salue initiative Cour cassation prend lundi qui se passe là lundi 8 mars dans journée mesdames yo pour organiser une cérémonie pour honorer magistrat femme qui a évolué en dans système judiciaire. Juge yo félicite tout président la Cour, maître René Sylvestre qui d'après ça dit lui montrer lui solidaire avec différentes associations magistrat yo dans bataille cap mené pour faire respecter constitution pays avec indépendance pouvoir judiciaire dans le pays d'Haïti. Jean-William Morin t'a parlé. À l'occasion du 8 mars, le président de la Cour de cassation s'est organisé une grande cérémonie au cours de laquelle ils ont honoré un ensemble de magistrats femmes qui est dans le système judiciaire. C'est une initiative que nous autres des associations de magistrats nous saluons. Nous saluons l'initiative, ça parce que mesdames, ils ont mérité que nous honorions pour le travail qu'ils ont fait dans le système judiciaire. Au cours de cette cérémonie, président Sylvestre fait un discours. Dans le discours là, président Sylvestre montrait solidarité avec tout magistrat dans le pays. Il montrait solidaire à arrêt de travail là. Donc officiellement, la Cour de cassation dans le discours montrait que lui rejoint toute association de magistrats, ANAMA, APM, RENAMA, AGIFA, toute association. Le président CSPJ a montré les solidaires avec elle et les solidaires à mouvement que n'a fait. Président dit dans le discours là que nous écrivons nos modèles pour ne pas recevoir prestations de serment, trois magistrats renommés en dehors de la loi. Président dit lui-même, c'est la loi qui boussole. Donc si la loi c'est boussole, ça veut dire que le président montrait que n'y pas pas répondre avec aucune entité, aucune autre institution, aucun autre pouvoir qui n'est qu'à mander recevoir prestations de serment. Ça. Donc président dit non, il y a un délai qui n'est pas trop long, il peut répondre à l'association magistrale pour le dire officiellement, ça la loi dit. Donc nous bien content que la Cour de cassation solidaire, que le président Sylvestre solidaire à indépendance pouvoir judiciaire, là, à lutte, là, à mouvement qui peut mener dans l'indépendance pouvoir judiciaire. Là. Vous avez écouté le président ANAMA, Jean-Wilner Morin. Toujours le même dossier justice, il y a ANAMA, APN, ensemble avec RENAMA, qui lance un appel bah, pour magistrats capables de poursuivre grève jusqu'à ce que l'exécutif prenne tant de raisons et puis répondre aux revendications. Président association professionnelle magistrat, Martel Jean-Claude, avec réseau national magistrat, ici, Ikenson Edumé, saluer comportement magistrat qui répond à mot d'autre grève là, qui paralysait tout tribunal en dans juridiction dans le pays d'Haïti. Association magistrat réclamé pour autorité capable de faire retrait de arrêter qui t'aimait trois juges à la retraite dans la Cour de cassation, tant que juge Joseph Messen Jean-Louis, juge Wendell Coctello, avec juge Yvickel d'Abrésil. Et puis, association magistrat a demandé également pour exécutivement annuler également arrêter qui t'est nommé trois autres juges qui deviennent remplacer trois juges à dans la Cour de cassation. Nous avons plutôt écouté maître Martel Jean-Claude avec maître Ikenson Edumé qui a parlé pour association magistrat.
Depuis lors que grève ça l'est lancé, magistrat yo dans tout pays yo, yo respecté arrêt travail ça, côté que tribunal yo yo paralysé jusqu'à présent. Nous autres des différents syndicats de magistrature, nous dressé un bilan qui satisfaisant, un bilan qui positif, parce que juge yo, magistrat yo, yo répondent favorablement à l'accueil, et tribunal yo yo fonctionné au ralenti, puisque nous t'ai dit que pour des cas extrêmement urgents et qu'ils sont capables de décider. Nous remercions les magistrats et nous continuons à demander pour respecter le mode de grève là, pour camper le travail et n'attendre différentes revendications que nous adressons et satisfaits. En fin de compte, c'est tout magistrat assis, commencé dans le tribunal de paix, arrivé dans le tribunal cour de cassation, qui comprend aujourd'hui à magistrat sur la Lidoué, rester unis et bien le NAP défendre. Cause que nous relais indépendance pouvoir judiciaire là. Mais n'a dit aussi et exécutif là, l'État lui déjà mettait les grandes juridictions de la République en arrêt de travail par rapport et bien à climat d'insécurité que lui créait en dans pays là. Nous-mêmes en dans et association de magistrats, c'est ça à nous comprendre et c'est ça qui fait jeudi à nous prendre responsabilité nous face à la nation, nous prendre responsabilité nous pour nation et nous espérer la nation est capable de comprendre et raison d'être et bien initiative que nous prenons parce que c'est pour nous prendre. Au sortant des responsables de l'association magistrat, nous avons toujours été dans le dossier justice, nous avons responsables MEDA, qui sont organisations qui défendent le droit de l'homme dans la ville de Gonaïve, avec tout le reste du département de la Tibonite. Michel Dorgil fait qu'on est autorité, continuer à violer le droit de l'homme qui est dans la prison civile de Gonaïve, côté, il n'y a pas qu'on passe devant le juge d'instruction pendant qu'il y a toujours qu'un BO dans la prison. Mais Michel Dorgil dénonce un mauvais traitement prisonnier dans la ville de Gonaïve a subi. Responsable de l'homme, logé de l'ouette, sous juge, qui a fait grève pendant, il dit, c'est un bagage qui pas légal. Demandez à Jujo, dans Gonaïve, pour faire un sacrifice sous Kamoun qui est dans prison, yo, côté de ce yo, t'es déjà dans main, yo. Maître Michel Dorgil. Médard droits humains a travaillé dans toute prison générale dans le pays. Et prison civile Gonaïve, nous pas dit ça, là, nous pas gagné prison civile Gonaïve, nous avons cachot Gonaïve. Et avant-hier, nous avons gagné un bail qui a passé dans prison civile Jacques Mel, qui n'est pas différent de prison civile. Nous avons besoin de Gonaïve là, nous avons besoin de termes techniques là. Et pas ça nous employer nous, mais pour la sagesse des mots, nous avons besoin d'employer pour nous faire comprendre. Maintenant, nous avons Gonaïve comme chef du département, comme site d'indépendance, qui a là donné un paquet de monde, qui a été un mandat, et puis qui a de travail pour rendre les gens qui sont en prison vivre 11 gens qui plus ou moins. Non, répondre avec ça la loi mandé par rapport à deux à rien comme détenu gros champ pour traiter yo bien qu'on a eu livré à eux-mêmes seul. Après juge la grève, moun ki te gen pou passer devant juge, ka passer devant juge, moun ki gen pou libérer, ka libérer, yo toujours kembe yo dans prison. Ça qui encore pire là, alors c'est que ou gagné un paquet de prisonniers te déplacer dans juridiction qui pour aller 2 ans là, yo dehors jusqu'à présent pour jamais tourner dans juridiction. Ça son crime on ne peut plus. Et moun ça faut payer, ça yo fait avec la République. Ou gagnez, Gonaïve, son cachot, côté moun nan prison, moun ap maltraité, moun ap mal vivre, yon ou pas gen droit nan tan modèn sa, parce que nous sommes à l'ère de la démocratie. Mais est-ce que nous rencontrons avec les juges déjà? Oui, nous parlons avec les juges. Nous parlons avec les juges. Nous réponse. Non, réponse, on ne peut plus, parce qu'on a fait Gonaïve, surtout les juges de Gonaïve. Yo même yo complètement vulnérable parce qu'on gagne une crise politique qui pique dix fait dans le tribunal quand un groupe n'est choisi bouler la justice. Eh bien juge t'a traité des dossiers, c'est là la loi bayo comme du travail. Yo va caler tout dossier yo gagne dans tribunal là la caillou avec rien droit ça. OK, ou est grève voulé, tribunal boulé, mais juge quand on arrive surtout, il y a une situation qui complètement compliquée, difficile pour le travail. Et juge quand on arrive c'est juge mais d'abord je m'estime que gouvernement ça a pu maltraiter. Yo la geyo pour chien enragé dévoré yo. C'est pas une sécurité. Pas une pièce mesure qui prend pour te protéger le tribunal là. Pas une pièce mesure qui prend pour permettre que remonter insécurité ça dans Gonaïve pour pas arriver à niveau ça. En fait, c'est le même parle de tout le monde dans l'opposition qui vient permettre que qu'on a peuple à livrer à lui-même seul. Et les sages juges que nous gagnons ici au Gonaïve, eh bien, ils sont des victimes. Est-ce qu'ils posent des problèmes prisonniers avec Jo, même si nous connaissons en grève? Oui, nous parlons avec eux, ils ont une bonne volonté. Gagnez, qui te promettent nous, puis ils font sacrifice, puis ouais, comme capable de faire un dossier, mais yo, bien que le dossier est boulé, mais ils ont un cahier, heureusement, c'est des professionnels normal qui ont un cahier
de notes yo tout dossier tendé yo écrit nos carrière la carrière avec nous dit yo écrit en quelque carte apprécié pour nouveau kaka vinn devant yo yo gagne façon plus apprécié mais pour quatre dans mes déjà eh bien yo gagne si retracer que a fait pour comme capable fond soulagement je dis yo comprendre une situation mais yo même c'est pas faute yo même parce que tout le monde dans l'opposition contre le peuple. Alors, Fandi, la pluie est tombée hier dans le département de l'Ouest pays. La cause gros inondation de l'eau mais au terre entre la Kaimoun couvrit toute la rue. Qui te mette ce monde qui a vu dans le département de l'Ouest dans une situation très difficile. On va gagner plus de détails avec le correspondant nous, Serge Wiskis, dans l'autre journal sur radio. On n'a pas entré avec le dossier insécurité. La police a mené en pile opération, puisque dans la semaine, ça, depuis après attaque, bandit, village de Dieu, a fait sur local EDH, dans Bissatnet, la police est déterminée, mettez pied à la tête pour voir s'il est capable, au moins, ralentir force bandit, dans la capitale, là. Dans mercredi, la police a arrêté 11 mounes, dans la zone, dans Cafoufeuille, principalement, avenue Miller, tout près, Monseigneur Guillot et premier avenue Bolos. Eh bien, la police a mis sur 11 mounes, et parmi eux, t'es gagné une machine, qui gagne une plaque, l'état la donne qui pour ce qui dans service Sénat République là mettez gon l'autre machine qui t'a suivi yo machine ça te gagne plusieurs autres bandits la donne et bien monsieur ça te gagne en prend la fuite la police ça fait connait que yo saisi zam yo arrêté quelques moun en dedans machine au nombre de 11 d'après porte-parole la police PNH n'a vienne tout à l'heure sous déclaration porte-parole informe donc que opération continue toujours puisque la police ça font l'autre débarquement dans zone nègre il pas arrivé dans Gravine mais c'est une série de bandits Gravine que le met mais tout privé la rue Dieu. Mais la police mettait en bas quoi de plusieurs présumés bandits. Parmi eux, madame, un gros chef bandit qui a rejoigné avec un beau kit qui chargé avec cartouche la donne, ça n'est les balles là, que la police saisit. La police mettait en bas quoi de plusieurs présumés bandits. Parmi eux, madame, gros chef bandit qui n'a pas l'air, qui a opéré dans Gravine, qui est le Bougoy, qui a arrêté madame Bougoy. Et quelques détails sur mon arrêté yo gen Steven Johnson ancien soldat défunt Tigé qui était mort dans ce Cafoufeuille nous songe avec ça et bien c'était dans gang Savane Pistache là et bien il était venu quitter il était à Alfour école dans côté Bougoy là et bien yo mettait bien sur lui c'est dans Goumé gang à gang il était perdu au Grenjel donc Steven Gonzek pété. Il y a été tout Robinson Fanfan, qui est cousin chef gang Bougoy, Juliana Hansen, madame Kili, c'est lui-même qui surveillait moun, les yo point yo kidnappé yo monté avec dans Gravine. Saint Victor Sébastien, c'est chauffeur motocyclette personnel chef gang Bougoy, Nathalie Ville, c'est madame Bougoy, il a arrêté le tout. Richard Jean-Baptiste, soldat il a pli, il mettait main sur lui dans bas code. Emilson Thomas, soldat confiance Bougoy, secrétaire personnel madame Bougoy, c'est gros. Et puis, il y a Ludmi en blanc, alias Calais, qui a une explication, qui a une implication tout, dans, comme présumé, dans plusieurs actes assassinats qui fait, afin de dire que l'opération n'est pas finie. Dans le moment où on a parlé là, pour journée vendredi, la police toujours a cherché, couché fou, plusieurs autres bandits qui sont dans la zone Gravine. Pour nous dire, dans le département, nos pays, on a un gros débarquement fait, la police saisit ZAM avec plusieurs munitions. Et ça passait ailleurs, et grâce à la vigilance agent douanier, ensemble avec la brigade de lutte contre le trafic stupéfiant, BLTS, dans le cap haïtien, ils mettent son conteneur qui a transporté des armes avec munitions, ils prennent ailleurs, je dis, dans la douane, dans le cap haïtien, selon l'autorité douanière, et qui a fonctionné dans le département de nos pays, dans la ville au Cap, et il faut dire que, il y a un total de 3 armes à feu, parmi eux, ils joignent 2 fusils d'assaut avec 3 chargés, ensemble avec 7880 cartouches, avec l'autre encore qui saisit, ils joignent un revolver Taurus 9 mm. Responsable douanier a informé que le conteneur a sorti dans le pays États-Unis d'Amérique. Matériel confisqué est étalé, tout le monde a gardé, il a trouvé un récipient qui a gagné l'autre produit encore, ça n'a pas les cuvette qui ont été mis. Et saisi ça, ensemble avec la munition, ça, ils ont tout profité
mené enquête sur présumé trafiquant qui était arrêté et par agent yo d'après ça qui sorti bon côté responsable yo dans département non pays. N'a tourné dans Port-au-Prince puisque toujours dans cadre opération que la police a mené yo dans dernier jour ça yo surtout pour voir si yo capable de déloger gang cap milité dans zone dans Villa de Dieu mais son opération jusqu'à présent pour un bilan officiel qui sorti sur lui et fond d'auto gagné un peu le monde qui rapportait que yo était ouais et alors trois monde qui t'a mouri yo pas gagné identité yo c'est trois cadavres que yo t'a joine moun sa yo yo quand même t'a gagné rapport avec opération la police a mené avec victime avec moun dans zone en village de Dieu et bandi yo et moun sa yo semblait yo t'a essayé tromper vigilance la police et bien bon la police t'a stoppé moun sa yo dans environnement portail Léogane bicentenaire d'après ça en pile moun observé mais fond de zone ça son zone qui désert machine pas faire moun pas veut passer là dans tout mais pour aller au Gan trouver dans entre sud dans Port-au-Prince c'est là tout gagne gaoutière pour monde qui connaît pral au Kay ou bien Jacmel yo utiliser zone ça et bien connait là machine pas mis pied là même personne monde pas aller al passer dans zone là c'est que la seule machine là complètement vide son désert que lié Port-au-Prince gagne zone connait là que côté pas capable faire que côté pas capable passer. Donc c'est une situation ça qui gagnait dans zone portail Léogane Matissan qui était jusqu'à présent sous contrôle monsieur gagne gros âme dans méo malgré que la police met en série de séparateurs sur voie publique là pour essayer de capable empêcher kidnapper yo prendre la rue mais ça a pas empêché que yo sorti y a mené opération. N'a pas nous tout à l'heure dans le département de pays mais information que et qui à peine sorti c'est question examen baccalauréat qui a préparé pour élèves qui recalé yo pour saison 2020-2021 et bien au total de 10999 candidats gain pour y subir examen officiel baccalauréat pour première session recalé yo pour année académique 2020-2021 information ça confirmé dans communiqué de presse qui rend public à jeudi 11 mars par ministère éducation nationale à formation professionnelle parmi 10999 candidats qui éligibles gain 6149 qui a représenté secondaire traditionnel là alors que gain 4850 l'autre qui va subir épreuve dans examen secondaire renouvelé et d'après ça n'est capable dans note ou bien communiqué ministère éducation nationale mettez dehors. À travers communiqué ça, le ministère a précisé que l'examen a déroulé sorti 15 pour arriver 18 mars 2021. Ça avait dit lundi pour arriver mercredi ou bien jeudi. Participants yo après prendre seulement examen ou bien matière côté que yo pas arrivé fait moyenne yo donc pour être capable passer dans examen qui fait là donc ministère quoi c'est élève yo doué à recomposer dans dans matière que pas fait moyenne yo. N'a pas aller dans département nos pays gagné Silmono Mackenzie alias Tifiété qui mourit dans échange coup de zam avec la police et puis dans même moment deux monde joignent arrestation yo c'est Saint-Pierre Madeleine qui gagne 47 l'année avec toute petite li Pierre Chenel 19 l'année dans cadre d'une opération SDPJ dans département nord pays en tête collé à la police dans département nord-est témené dans zone Madras qui sont communes dans localité Caracol lundi 8 mars passé d'après porte-parole PNH là dans département nord pays inspecteur divisionnaire Anas Dorival individu qui porte nom Sili Nolan c'est chef gang en après tipité dans gang Chadadeur dans ville au Cap plus de cas correspondant nous Jacques Geoffroy depuis département nord pays. Porte-parole la police nationale là dans département Nord-Ouest inspecteur Anas Dorival présenté 11 mars là bilan opération force de Dieu menée dans région pendant la semaine ça dans cadre opération la police dans département Nord-Ouest menée dans commencement semaine ça yo rivé touyer ak balle Silmono Mackenzie alias Tifetier yon présumé bandi qui ta numéro 2 gang Chada 2 na au Cap. D'après porte-voix PNH dans nos pays, individu ça a perdu la ville dans Boukanté Koudzam à policier yo 8 mars dans commune Kakol localité Madras qui dans département nord-est
En plus de ça, deux autres individus qui arrêtés yo, moun si la yo, c'est Madeline Saint-Pierre, 47 l'année, ak petite li, Chednel Saint-Pierre, 19 ans. Deux moun sa yo, akize comme recelè, qui habite caché et puis soigné bandi, lè recevra bal nan cadre affrontement ak la police. Yo gen tout, accusation, association malfaiteur sous de yo. Inspecteur Anassi Dorival. Mackenson Almono, alias Tifetière, c'est un individu qui a sous plusieurs cas, plusieurs dossiers. Par exemple, 26 décembre 2020, c'est monsieur qui a tué Amen, qui a par balle, inspecteur Telfort Ferrer, qui est responsable pays. Monsieur, c'est lui-même qui a tiré tout dans rue 5 et 6. Et elle, ancien policier René Léon, qui était devenu un businessman, qui était mort par la suite, et qui était importé l'argent qui était dans la main Léon. Et information que nous avons toujours de Almonor Mackenzie alias Tifetière, c'est lui-même qui t'a tué Abdias, policier qui était affecté dans le polyfond, dans le département nord-est. Et il y a un pile d'autres bagailles toujours qui sont dans monsieur, mais et actuellement, monsieur, comme dit, blessé mortellement, donc information. N'a communiqué la pression au moment opportun. Nous gagnons dans le Rivière du Nord, gagnons un chef de gang qui était associé avec AJV toujours, qui c'est Jean Luxon, alias Sanson. La police a arrêté, il est déconseillé avec le commissaire du gouvernement dans la zone là. Il a arrêté le 23 heures du matin. Monsieur, actuellement là, la parole pour une question de la justice. Plus loin, Anassé Dorival dit, il y a l'autre bandit qui recevra balle pendant l'opération, mais qui est un chapé pour lui, n'a pas noté, présumé numéro 2, gang AJVIT là, dans Chada 2, Silmono Mackenzie, mourit sous cabane de l'hôpital Justinien. Il était fait partie, présumé bandit, la police n'a au cap, t'a cherché pour présumé application, n'a plus des actes, assassinat, et braquage. Depuis Cap Haïtien, Jean-Claude Geffroy, Pyramide FM.